6 partout. Il reste un peu plus d'une minute à jouer. Arthur, il y a Arthur sur le terrain, Diego, Eustache et Val. Arthur, tu te mets là. On amène le ballon du côté vers là, ok? Et toi, Alexis, tu rates. Quand la balle elle arrive là, tu rates, tu viens te mettre externe. Et les pivots, restez externes. Faites de la place ici, ok? C'est clair là-dessus. Ok. Si ça marche pas, Vantian pour Val ou pour moi? Allez. Ça s'anime pendant le temps mort. Dans les tribunes d'André Bois. Allez, on a un vrai grand beau match de handball, le nouvel front des Gâtés, bon sans douter, mais c'est Noël, hein. C'est Noël. Ah, oui. Enfin c'est Noël quasiment à chaque match à Toulouse. Hein. Oui, absolument. Ça joue là, franchement. On a des super matchs. C'est parti, regardez Arthulet très très loin, c'est lui qui va venir porter le ballon. Combien de passes, on va suivre l'action, ça va être pour Diego Simonet. Pas de faute sur Diego Simonet. Bon, alors qu'il semblait quand même qu'il y avait une main sur son bras tireur. Alors qu'il y ait un contact, c'est une évidence. Ou alors aller dire à Diego Simonet qu'il est incapable de tirer à moins de 10 mètres du but. Mais il y a faute. Mais après, c'est la. Est-ce que vous la sifflez ou pas? Là, ça n'a pas été le cas. Ouais. Oui, on est d'accord. Ah oui. On est d'accord. Oui. On est d'accord, mais c'est sûr. Ballon. Pour repasser devant. L'avantage. Voilà. C'est chassé croisé. Cette seconde période. Abdi avec Piovan qui essaye de passer. Ayoub Abdi. La bonne lecture de Bonnefoy. De Kevin Bonnefoy. Et ballon Montpellier avec Diego Simonet. Le retour énorme d'Ayoub Abdi. Oh. Le voleur de ballon. Ouais, ça fait penser au ballon volé par Kingsley Coman à Lionel Messi juste avant le but de Kylian Mbappé pendant le France-Argentine. Et ça a fait lever les spectateurs. André Proa, le retour énorme du gaucher algérien. Qui avait une bonne situation de tir. Hein. C'est vraiment Kevin Bonnefoy qui allait faire l'exploit. Oh, le but exceptionnel! Le but de Gonzalo Marquis Vieira. Derrière la défense de Diallo sur Pélas. Toulouse est repassé devant. Il reste 6 minutes 30. Quel but! Quel but! Regardez ça! Ça part vite fort juste sous la barre. Il ne peut rien faire. Hein. Ça passe à 2 cm de son visage, hein. Kevin Bonnefoy, qui était masqué par Marco Panic. Hein. Avec le bras lasso du portugais. Scoubé. Attention, hein, là, Gonzalo Martins Vieira était en retard. Et le passe but pour Berthier. Alexis Berthier, et il s'en veut, hein, Jeff Letens. Hein. Qui n'a peur de rien, vraiment, qui venait de remplacer Yannis Lenne. L'anglais est important, oui, pas tant que ça, mais il n'y a pas de course d'élan, rien, parce qu'il est obligé de récupérer le ballon très très haut et se réorganiser ensuite. C'était presque un tir d'arrière, hein, ce qu'il a proposé.